PEGI 3. Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Maintenant, je vais changer carrément la catégorie, parce qu'en fait, elle n'était pas évidente du tout. Donc, je vais voir qu'est-ce que ça me propose d'autre avec la voiture que j'ai, la Audi, que j'ai pu avoir récemment. J'ai pas envie de faire un peu le con, j'ai envie de prendre vraiment une catégorie adaptée à cette voiture, sinon c'est pas la peine, hein, je vais tout le temps perdre et... Ah voilà, une Audi contre une Audi. J'espère que ça va être bon cette fois-ci. Bah c'est cool. Oh non, ne me dis pas que je vais être avec des Ferrari, des Mercedes. Il blague. Non, il blague. Sunshine, to spend rather more time enjoying the scenery passing by than counting down the meters to the next breaking point. The AMG version of the Mercedes SLK. Oh, comme elles sont trop belles les voitures, c'est impressionnant. Ça donne trop envie, hein, franchement, comme voiture. Hein. The Audi TT RS, meanwhile, is neither rare nor a convertible. It is, however, with its 2.5-liter five-cylinder rally quattro engine and four-wheel drive, unquestionably exciting, but only when you want it to be, which is what this group is all about. Je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont très bien réussi leur jeu en tout cas. Hein. Graphiquement, waouh. Oh, commander. Ah ouais, d'accord. Oh, les malins. Donc je peux pas prendre n'importe quelle voiture. Hein. Oh les petits farceurs. Elle a combien? Ouais, elle est trop chère. Oh non. Je veux pas racheter une nouvelle voiture quand même. J'ai plus de thunes. J'ai plus d'argent. Mais c'est pas bien. Mais comment je fais moi? Mais non, je voulais une belle voiture. Mais en tout cas, je peux pas parcourir avec cette course. J'y ai cru, hein, franchement, que je pouvais. Bon, on va prendre plutôt le truc classique, hein, pour commencer. Je vais prendre ça. Non, mais regarde ces voitures, ah, juste pour le fun. Ah, les premières voitures que j'ai connues, moi. Ah, c'est trop fort, ces voitures-là. Hein. Je sais pas qui les a connues, mais en tout cas, c'était vraiment des trucs de ouf. Hein. Ah, je peux pas passer la cinématique, c'est dommage. J'imagine tu roules avec ça. En tout cas, elle va pas me coûter cher la voiture. Je pense qu'elle va me coûter combien? 5 à 15 000, c'est tout. Hein. La Volkswagen. Non, mais attends. Le mec qui roule avec ça, il doit être content. Ça, je sais pas si ça va bien tenir la route. Hein. Ah, c'est rigolo quand même. Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc là, les voitures sont pas trop chères. Donc, il y a de quoi faire. Donc je vais quand même prendre d'autres voitures un peu puissantes. Donc la plus puissante de la catégorie, c'est laquelle là? Tenue de route, c'est laquelle qui tient le mieux? Ah, tient bien celle-là en tout cas, la Volkswagen. Hein. Donc quelle vous prendrez perso vous? La Audi, elle est ancienne. Tu prends la D. Non, je vais prendre la catégorie C. Elle a plus de vitesse. Ouais. Non, celle-là, elle lui colle au cul. Bon, la première, hein, tu sais. Ils me l'ont pas mis pour décorer. On achète une nouvelle voiture encore. Allez, on va récupérer cette caisse. On va voir comment elles sont personnalisées. Hein. Oh là là. Elles sont quand même belles. Hein. Oh, elle est bien, sauf que le capot, il est... Voilà quoi. Ok. Plutôt pas mal quand même, hein. Les mecs ils s'amusent bien. On peut encore nous-mêmes personnaliser la voiture, mais sauf que je suis vraiment pas doué. Je vais faire n'importe quoi avec. Hein. Donc il y a quoi là à faire? Laquelle vous prendrez perso vous? Bon, celle-là je l'ai déjà en couleur, comment ça s'appelle, laquée comme ça pour la BMW, ça sert à rien. Donc plutôt celle-là avec le petit truc, ouais, pourquoi pas. Le truc de Maya l'abeille couleur. Donc après aussi, vous avez aussi le caractère spécial, hein, comme vous avez pu voir. Donc après,
Vous faites ce que vous avez envie. C'est fou tous les peintures qu'il y a, hein, regardez. Donc après on peut la mettre en or aussi, mais ça sert à rien en or. En bois. Jamais vu une voiture en bois perso, mais peut-être pourquoi pas. Les couleurs normales. Après il y a quoi d'autre? Couleurs, options de création. Ouais, non, je veux pas m'amuser avec ça. J'irais plutôt celle-là, mais le capot il me plaît pas. Le capot, le mec, il a dû le bâcler à la fin. Ou plutôt laquelle, celle-là. Ouais, elle est bien, celle-là. Bon, allez, j'achète celle-là. Non, elle est pourrie. Celle-là. Elle ressemble déjà plus quelque chose. Et celle-là. Enfin, le capot. Non, franchement, elle est bien. Bon, le capot, c'est pas grave, on va pas se prendre la tête. Il a juste déconné, le mec, avec son capot, mais c'est pas grave. Allez, on achète celle-là. Au pire des cas, je personnaliserai plus tard. C'est bien, je reprends Forza, j'achète déjà des voitures. Voici votre Volkswagen Golf R32 de 2003. Quoique, je vais la personnaliser, tiens, pour changer un peu. Ouais, continuer. Ah non, c'est direct, il te lance dans une course. En Californie, pour une nouvelle course sur le Mazda Raceway Laguna Seca. Waouh, ça va être quoi comme course à votre avis? Ça va être assez tordu, je pense. Mais là, ça va, je me sens plus rassuré que dans l'épisode précédemment, c'est que je vais concourir avec les mêmes voitures, les mêmes catégories que moi, donc je suis sauvé. Que tout à l'heure, waouh, j'avais vraiment du mal à me faire ma place avec ma petite Audi R8, je crois, dans une catégorie où t'as toutes les plus grosses voitures sportives quasiment. Il manquait plus que la Bugatti Veyron pour que je puisse laisser, laisser ma dépression s'installer avec ce genre de choses. Ah, c'est pas évident. Allez, on commence. Par contre, il a déconné sur le capot, le mec. Hein. Tout le reste est bien, à part le capot. Ah, derrière, il déchire le truc. Ah ouais, d'accord. Regardez l'avantage que j'ai déjà. J'accélère, ça y est, je suis déjà en tête. Avec les autres voitures, c'était pas trop ça. Hein. C'est stable, là, quand même. Hein, parce qu'il y a moins de puissance. Mais par contre, il y a juste un truc qui est un petit peu dommage, c'est que vous allez... Ouais, attendez, là, faut que j'accélère tout doucement. Je mets des petits à-coups. Nickel. Ah, ouais. Donc, n'hésitez pas à me dire laquelle des voitures vous préférez, par exemple, dans le circuit. La mienne, celle des voisins, celle juste à côté à ma droite, celle la petite jaune. D'un coup, je maîtrise un tout petit peu mieux le circuit. Bon, je vais essayer de dégruger par là. S'ils me font pas tomber dans la déco. Mais à chaque fois, j'ai remarqué, pour attraper le premier, tu peux quasiment pas, parce qu'il a la plus belle voiture, la plus performante voiture, en fait, hein, du tour. Le mec, il a 99,9. Attendez, je vais essayer d'attraper ça ici. D'un coup, c'est beaucoup plus facile à jouer, hein. Ah, comment j'ai connu ces voitures dans mon pays, ça, la voiture devant moi là, la numéro 3. Ah ouais, Malocré n'a pas de chez Fanny Bavi même. C'était franchement une voiture assez marrante. Donc c'est bon, en premier, ça fait plaisir, ça fait un petit temps. Hey, j'ai dit que je suis premier. Hein. Oh non, il m'a fait tomber dans la déco. Tenue de route, ça va, rien à dire. Pour le moment, c'est jouable. On va essayer de prendre des trajectoires un peu plus parfaites. Je trouve pas que ça dérape, pourquoi? Parce que la voiture ne va pas déjà assez vite. Donc on n'a pas la sensation que, tu vois, tu perds l'équilibre, etc. Que là, en fait, ça reste assez jouable. Malgré que j'ai pas beaucoup de chevaux sur le capot. Mais les voitures sportives comme la Chevrolet, la BM ou l'Audi, laisse tomber, t'es tout de suite dans la déco. En tout cas, un dernier petit tour. Et on reporte cette fameuse victoire. Ah, par contre, pourquoi j'ai freiné soudainement comme ça? Là, je suis sûr que je suis dépassé. Ah non, même pas, arrête. Ah, j'ai pensé que j'allais dépasser parce que vu comment j'ai mis beaucoup de temps à prendre le virage correctement. Ah, c'est plus intéressant d'un coup, je préfère comme ça. C'est bon ça. Ah,
Ouais, c'est chouette là. Attention à ce virage de pas se péter la gueule. Je pense que ça va être un petit peu délicat après. Ouais, nickel. Là, ça devient intéressant parce que je commence à me rapprocher de la ligne d'arrivée. Et si je fais pas de faux pas, comme là par exemple, si je me trompe pas, je peux encore remporter une victoire assez certaine. Mais faut rester quand même un peu sur ses gardes et vigilant. Parce que ça va piquer un peu. Mais ça a l'air facile comme ça de regarder quelqu'un jouer. Mais dès que vous êtes dedans, c'est une autre histoire. Mais là, ça passe crème et même n'importe qui pourrait réussir à faire le circuit correctement. La voiture va pas vite, t'as le temps de contrôler tes virages. Je crois que j'aurais dû commencer par ces catégories-là que de m'enflammer tout de suite avec les grandes sportives. En tout cas, les F1, elles tiennent beaucoup plus la route, hein, comme vous avez pu voir, mais celle-là. Voilà, j'ai gagné. Donc là, je peux pas perdre. Hein. Coucou. Premier. Non? Ah merde! Il y a encore un circuit. Oh non! Oh, je me suis enflammé. Je commençais limite à relâcher la voiture. Oh le con. Oh le con. Ah ouais, comme quoi que j'ai été un peu trop trop naïf là. Non, 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 bah, j'ai gagné. En plus, voir comment je commence à m'enflammer, je sors du terrain et tout. Ah ouais, c'est vrai, c'est 3 tours. Ah ouais, je sais pas ce que j'ai moi avec les 2 tours des tout à l'heure là, mais non. Bon, c'est pas trop grave, je vais accélérer un peu plus. Mais faut concourir toujours avec des voitures de haute catégorie hein, finalement. Sinon, c'est pas la peine. Hein. J'ai tendance à toujours mettre mes voitures en mode trafiqué, mais ça marche pas pour autant. Ah, ça va être cool là. Mais le jeu, comment il est magnifique, c'est un truc de dingue. Hein. Là, peut-être que vous voyez pas forcément la super belle qualité que je vous propose sur YouTube. Je vous mets une qualité standard de HD, mais croyez-moi, dès que vous jouez, c'est très bluffant. Surtout sur, je sais pas, sur une grande télé 119 cm, vous êtes à fond dedans, mais un truc de fou, comment c'est bien éclairé. En plus, si vous mettez l'image en dynamique, non mais c'est waouh. Si les couleurs sont extrêmement vives et ça vous donne vraiment envie de plonger dedans, quoi. Limite, vous croyez vraiment au volant. Ah ouais, pardon, à propos de volant, il faudrait que je change un petit peu la vue pour vous. Ah non, 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 c'est pas ça la vue. Chaque fois, je me trompe de touche. Je crois que c'est Select, je suis pas sûr. Ouais, c'est Select. Voilà, je vais vous mettre celle-là. Ah ouais, à chaque fois, j'ai tendance à me louper, moi. Bon, bah, je vais être pénalisé à cause du. Parce que sur tous les jeux vidéo, en fait, généralement, j'ai remarqué que dès que tu changes de vue, c'est triangle ou c'est X, en fait, c'est Y, en fait. Que là, c'est Select. En tout cas, voilà la voiture de l'intérieur. Ça ressemble vraiment à une Volkswagen, hein. Donc c'est nickel, hein. C'est vraiment très intéressant à jouer. Parfait. Premier. Un petit trophée. Une petite Forza Steel. Donc en tout cas, je préfère franchement, je prends plus de plaisir à jouer avec des catégories comme ça que des sportifs où ta voiture elle part dans la déco sans arrêt. Tu dis putain, j'en ai marre, elle est pas stable. Que là, ça va, ça gère et en même temps, je pourrais encore acheter d'autres voitures prochainement. Donc là, ça va pour l'instant, on a 4 voitures. Vous voyez, j'ai rembobiné comme un con, j'ai perdu 51 $. Ça, parce que je voulais vous changer un petit peu la vue, mais c'est pas trop grave, hein. Donc la voiture, elle prend un petit peu de bonus. Et bah c'est pas plus mal, vous allez me dire. Donc je vous fais des vidéos courtes, mais je vous en ferai un petit peu plus. D'accord? Je vous retrouve tout de suite pour la suite. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a fait plaisir. Bien sûr, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, tentez l'aventure, c'est gratuit. Ça vous permettra d'avoir pas mal d'exclusivités sur des jeux vidéo que je suis en train de développer rien que pour vous. Et tout simplement, suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Les liens sont dans la description. Moi, je vous retrouve pour d'autres vidéos. À bientôt, prenez soin de vous.